Signore e signori, Lucca Comics and Games è lieta di ospitare Guy Delisle. Vi prego un caloroso applauso. Bonjour. Grazie a voi. Abbiamo una domanda dal pubblico. Sì, buongiorno. Bonjour. Vorrei dirgli che mi piacerebbe pianificare un viaggio in Corea del Nord grazie al suo libro. E la domanda è se lui crede che potrà mai scrivere un seguito di Pyongyang, quindi un nuovo viaggio in Corea, e se secondo lui avrebbe lo stesso umorismo involontario, diciamo così. Beh, en fait, moi, la Corée du Nord, je crois pas que je vais y retourner de sitôt. Non penso proprio che tornerò in Corea del Nord così presto. Je crois pas que je serai bienvenu là-bas. E non credo proprio che sarei il benvenuto. Et après, c'est possible d'aller en Corée du Nord parce qu'il y a des agences de voyage qui offrent toujours des séjours en Corée du Nord. Il faut partir de Pékin. Ah, dice che è assolutamente possibile andare in Corea del Nord. Ci sono delle agenzie di viaggio specializzate che partono da Pechino. C'est un peu comme pour le. En fait, moi, j'aimerais bien retourner en Corée du Nord. Le jour où ça va s'effondrer et puis ça va s'arrêter, cette dictature complètement folle. Et je serais curieux de retourner là-bas et de voir un peu ce que les gens ont à raconter une fois que tout ça va être juste un mauvais souvenir. Mi piacerebbe molto tornare in Corea del Nord quando questa dittatura assurda, la definisce, avrà fine. E essere là quando tutto ciò non sarà che un ricordo per gli abitanti. Quali sono gli elementi che ti hanno colpito di più di quell'esperienza? Che sono gli elementi più saisissants di questa esperienza? Che ti hanno frappé le plus? Della Corea du Nord? Ouais. Ce qui était, dès le début, je me suis dit. Moi, j'avais travaillé au Vietnam, et en revenant du Vietnam, j'avais lu mes notes, et je me suis dit, bon. Je ne crois pas qu'il y ait un bouquin à faire sur le Vietnam. Et du coup, j'étais parti en Corée du Nord en me disant, voyons voir, si c'est intéressant, je ferai un livre, mais s'il n'y a rien à raconter, je n'en ferai pas. Donc j'étais parti un peu avec cette attitude. Attends, je traduis. Dice, quand je suis arrivé au Vietnam, appunto, ho detto, no, qua non scrivo niente. Et allora mi sono detto, hai visto mai che andando in Corea del Nord, forse c'è qualcosa da fare? Forse sì, forse no, vediamo. Et quindi questo era lo spirito con cui sono partito. Voilà, et donc dès la première heure, on m'a donné un bouquet de fleurs qu'il fallait que je dépose au pied d'une statue de 22 mètres de haut. Et appena arrivato mi hanno dato un mazzo di fiori da deporre ai piedi di una statua che faceva 22 mètres, subito così. Donc alors que je me penchais comme ça devant cette grande statue, je me suis dit, ouais, je crois qu'il y a de matière à faire un bouquin avec ça quand même. Et dice, visto che cominciamo così, magari qualcosina da scrivere c'è, insomma. Donc voilà, après il y a eu l'album de Pyongyang et c'est un album qui a été critiqué, qui a été dans les magazines, mais par des magazines qui n'étaient pas du tout spécialisés en bande dessinée. C'est ce qui fait qu'il y a eu, un peu quelque chose, en fait pour moi ça a été assez nouveau, c'est-à-dire que là il y avait des magazines de politique qui s'intéressaient à une bande dessinée et qui en parlaient. Donc c'était en France, c'était assez nouveau ça. E dice quello che è successo è che appunto c'è stato quest'album e ne hanno cominciato a parlare in riviste non specializzate in fumetti, in politica ad esempio. E dice in Francia questa è una cosa assolutamente nuova, mai successa prima. Donc après dans les choses qui étaient assez étonnantes en Corée du Nord, c'était toute la propagande et puis ce que vivaient les gens. La cosa sorprendente lì in Corea del Nord è la propaganda e come la gente del luogo la vive, io direi la subisce. Mais après c'est quand je suis parti en fait que j'ai laissé ces gens derrière moi, parce que là en partant de la Corée du Nord, les gens que j'ai rencontrés, c'est pas possible de les contacter après. Donc moi je partais et c'est la première fois que ça me faisait ce sentiment, parce que même en Birmanie j'ai pu garder des contacts avec les gens, mais en Corée du Nord, tu leur dis adios, et il y a des fortes chances que tu les verras plus jamais de ta vie, et tu peux plus avoir de contact avec eux, c'est comme s'il y avait un mur. Et ça faisait bizarre, ouais. Et c'était assez émouvant. Ouais.
E dice la cosa che mi ha più sorpreso è il fatto che partito da là, anche persino in Birmania mi era possibile mantenere i contatti con le persone che avevo conosciuto, ma in Corea del Nord tirano su un muro, basta, fine, non li vedi mai più. E dice questo io non l'avevo mai vissuto in precedenza, è una cosa molto emozionante, insomma, che ti smuove. E quanto devi del tuo stile al tuo essere animatore? Molto veloce, molto semplice, molto lineare? Quel est l'apport de l'animation à ton style? En fait, pour le dessin, maintenant, ça a changé beaucoup. En fait, l'apport de l'animation, attends, c'est plus dans la façon de raconter mes histoires, finalement. L'animation entre en gioco nel modo in cui racconto le storie. Parce que pour faire de l'animation, il faut découper le mouvement en plusieurs parties. Il faut prendre un mouvement et il faut arriver à découper toutes les parties du mouvement pour le reconstruire. Nell'animazione per rendere un movimento bisogna prima scomporlo per poi ricomporlo. Et en fait, c'est un peu cette même façon que j'utilise mais pour la narration, pour arriver à découper une scène ou expliquer quand je fais le guide du mauvais père, pour être certain que les gens comprennent bien l'histoire, je dois découper l'histoire en morceaux, un peu comme je découpais le mouvement. Et dice nello specifico per questo libro che si chiama La guida di un cattivo papà, appunto questo che ho fatto. La narrazione ha attinto dall'animazione perché ho dovuto scomporre per ritagliare le scene. Abbiamo un'altra domanda? Innanzitutto buonasera, è una cosa che mi ha stupito, è una domanda un po' più tecnica, ovvero lui ha detto che per lavorare prima va sul posto, scrive tutto e solo quando è a casa successivamente disegna la storia. Quanto influisce la fotografia o ha una memoria particolarmente potente per ricordarsi di, cioè non sente il bisogno di fissare al momento sulla carta quello che vive? Riesce a ricordarselo con la stessa fermezza o riuscirà a trasmetterlo nello stesso modo? Cioè, a quanto pare sì, ma come fa? Ah no, je prends des notes, tout simplement, ouais. Appunti. Oui, oui, oui. Chaque jour j'ai mon carnet puis et pas de photo. Je suis un très mauvais photographe, mais je prends. Dice, sono un pessimo fotografo. Et pour j'ai fait beaucoup de croquis quand j'étais à Jérusalem. Ho fatto molti schizzi. Ouais, quando ero a Gerusalemme. Parce que quand je suis arrivé à Jérusalem, je me suis dit je vais travailler sur un gros projet. Dice io quando sono arrivato a Gerusalemme mi sono detto io devo lavorare su un progetto importante. Sauf que quand on suit sa compagne, pour elle c'est clair, elle travaille et moi je vais faire ce que je peux. Dice una cosa è chiara, è evidente, quando segui la tua compagna lei lavora e tu fai quello che riesci, insomma. Et voilà. Et donc là j'apprends que l'école se termine à 1h. E dunque imparo che la scuola finisce all'una, per esempio. Et que le vendredi il y a pas école. Venerdì non c'è scuola. Et que il faut se lever à 6h le matin pour amener Louis, notre fiston, à l'école là-bas. E che bisogna alzarsi alle 6 per portare lui, il figlio, voilà, à scuola. Donc ça me laissait très très peu de temps, donc j'ai laissé tomber le gros projet. Quindi questo mi lasciava poco tempo, quindi il progetto che avevo in mente l'ho accantonato. Voilà, et je me suis dit je vais faire un blog et je vais faire des croquis, voilà. Farò invece un blog e degli schizzi. Donc voilà, donc je me suis promené dans la vieille ville qui est très jolie, j'ai fait des croquis au lieu de faire des photos, ce qui fait que des fois quand je faisais ma bande dessinée, j'allais revoir les croquis que j'avais fait. Et je les mettais dans la bande dessinée au lieu d'avoir une photo, par exemple. E dice appunto degli schizzi mi sono serviti che, dal momento che non avevo foto per trasporli poi nel disegno. Et quand j'avais besoin d'une référence précise, donc il y a mes notes que je prends au quotidien, donc je relis mes notes et je me dis ah oui tiens j'avais rencontré telle personne et puis ça serait peut-être intéressant de le mettre dans l'album, ça fonctionne aussi comme ça. E dice ci sono appunto le note che io rileggendo dico ah ok mi ricordo di questa persona, abbiamo parlato di questo e questo è uno dei modi in cui funziona. Et après je prenais quelques photos mais de façon je m'en servais même pas parce que suffit d'aller sur Google Images et Jérusalem il y en a plus qu'on en veut, quoi.
e dice sì, alla fine ho preso anche delle foto, però non servono a niente perché basta andare su Google Image. Sur Google Image j'ai retrouvé la bagnole que j'avais vendue. E dice che su Google Image ha ritrovato la macchina che aveva venduto. J'ai pu recontacter le gars à qui je l'avais vendu. Et l'ho ricontattato la persona a cui l'avevo venduto. Et je l'ai revu en Espagne. Et l'ho rivisto in Spagna. Voilà, il m'a raconté l'histoire de cette voiture qui a été revendue à des Palestiniens qui ont changé la plaque d'immatriculation et qui maintenant se promènent quelque part en Cisjordanie. Et dice che gli ha raccontato la storia di questa macchina che è stata venduta dai palestinesi che hanno cambiato la targa e adesso chissà dove sono, da qualche parte in Cisgiordania. Allora, purtroppo il tempo è tiranno. Io chiedo un applauso caloroso a Guy Delisle. Grazie. Merci.